Michael Bay dans la place. Bonjour à tous et à toutes, salut. J'en perds mon latin. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma. Et on est parti pour... Conflict Desert Storm. Let's do it. Attention. Ça annonce que du grand art. Quand on a vu cette introduction qui a été faite aux petits oignons. Hein. Saupoudré de talent, évidemment. Campagne et tempête du désert, charger la partie. Non. Je crois qu'il faut sélectionner la campagne et tempête du désert. Parce que bon, moi je veux pas me taper l'entraînement. Je ne suis plus un bleu-zaï. Hein. On a compris. On a fait Conflict Desert Storm, pas Conflict Desert Storm. Qu'est-ce que je raconte? Conflict Vietnam. J'hésite entre moyen ou facile. Si vraiment c'est trop dur en moyen, au pire on se mettra en facile, mais... J'ai envie, quand même, parce que même si je m'étais mis en facile pour Conflict Vietnam, là c'est pas la même chose, c'est un jeu que j'avais déjà fait à l'époque. Et dans mes souvenirs, il était difficile, mais il était quand même moins dur que le conflit de Vietnam. Et un peu plus... un peu mieux calibré, au niveau de la difficulté. Et surtout, la hitbox est de bien meilleure qualité. Enfin, c'est pas du hasard. Enfin, un peu moins. Ça reste un jeu moyen. Donc, si c'est un jeu moyen, il faut mettre en moyen. Tout simplement. United States, évidemment. Parce que Donald Trump. ça part en live cette vidéo. Ce n'est pas vraiment le bon moment de faire des vidéos de guerre parce que bon, avec ce qui se passe en Ukraine là, c'est compliqué. Le 24 juillet 1990, les forces irakiennes ont commencé à se rassembler à la frontière koyatienne. De toute façon, je le dis mal. Les négociations n'ayant débouché à rien, des équipes des forces spéciales des Nations Unies ont été envoyées au Moyen-Orient. Le 2 août, l'Irak envahissait le Koweït lorsque les chars irakiens ont traversé la frontière. Les forces spéciales ont été déployées. Dépêchez-vous de poser le C4. S'il nous voit, on est fichu. Je l'ai, encore quelques secondes. Tour 3. À plus tard. Terminé. Paul Œil de Lynx, Foley, l'un de nos meilleurs tireurs d'élite, a été capturé alors qu'il tentait de détruire l'un des ponts situés sur la frontière entre le Koweït et l'Irak. Ce pont doit absolument être détruit afin de ralentir la progression des Irakiens. Nous ne disposons pas de suffisamment d'hommes pour organiser une opération à grande échelle. Un individu devrait pouvoir s'infiltrer dans leurs forces de défense, localiser et libérer Foley, puis détruire le pont. À la fin de la mission, revenir à la zone d'atterrissage pour une évacuation par hélicoptère. Très bien. Foley est détenu dans un petit bâtiment au nord-est du pont. Prenez le contrôle de la zone et libérez Foley. Les services de renseignement indiquent que la meilleure approche serait par le lit de cette rivière asséchée. Ce poste de contrôle frontalier est très bien protégé et doit être évité à tout prix. Quand Foley a été capturé, les gardes lui ont pris ses explosifs plastiques C4. Retrouvez-les et faites sauter le pont.
Utilisez le C4 pour détruire l'étai central supérieur du pont. Revenir à la zone d'atterrissage avec Follet pour une extraction par hélicoptère. Ok. Let's go. Ah là là, cette musique! Que de souvenirs! Pom 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 pom, avec l'avion qui passe au début. Pom pom pom. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Voilà. Voilà, c'est canard là. On va voir les premiers Irakiens. Hop! Ils sont par là. Si on peut zoomer. Et cette fois-ci, on n'a pas droit à un JPEG dégueulasse. Oh purée! Oh, il peut viser automatiquement. Bon, les bruitages, c'est toujours pas ça. Ah non, on est trop loin pour l'avoir, lui. Ou alors, il faut viser comme ça. Je bouge. Voilà, parfait. Attention, et nous sommes de temps en temps au-dessus du 30 FPS. Bon, par doute, moi j'ai mis en 50 FPS pour la capture du coup. De 50 Hz. Mais bon, je pense qu'à l'avenir, je vais remettre en 30 FPS parce que bon... Par moment c'est en 50 fps, mais bon, généralement c'est du 30. Généralement on se rapproche du 30 fps de Vietnam. Conflit Vietnam. Ok. Il y avait juste des trousses de soins. Par contre j'ai perdu de la vie quand même assez rapidement. Faut faire assez attention. Mais ça répond beaucoup plus vite que Conflit Vietnam. C'est beaucoup plus fluide. Bon déjà c'est pas du 15 ou 20 FPS, c'est un peu plus optimisé, et puis surtout ouais, au niveau des commandes, j'appuie sur X, c'est direct, papapac, choisis l'arme que je veux, tac, y a presque pas d'animation quand il change d'arme, voilà, il met pas 3 plombes, c'est plus arcade on va dire, c'est un peu plus arcade. Ouais. Je sais plus à quoi ça sert d'aller là. C'est l'Américain! Allez, je crois qu'il faut surtout pas aller par là-bas, parce qu'en fait, par là-bas, on passe en dessous du pont, et en dessous du pont, il y a un char d'assaut. Comme en Ukraine. Qui a écrasé une voiture. C'est un peu mort ici. Pom pom. Pom 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 pom. Ah là là. Là je sais très bien ce qu'il faut faire. Faut courir en diagonale. Il va pas nous toucher. Alors quoi que, il y a le sniper au-dessus. Il y a le sniper. Alerte a été donnée. Ah là. C'est fait le sniper. Je pense que ça n'a pas été une très bonne idée de mettre en normal. Normalement ça passe. Ça passe en passant sur le côté. Ah là il est mort. Hop, ça se fait avec les flèches. Tac. Ah, alors, il a même pas d'animation quand il se soigne. Contrairement à Conflit Vietnam. Pour tout vous dire, là je joue plutôt sur ma télé parce que j'ai remarqué que l'input lag était quand même assez énorme en tout cas sur GameCube, je ne sais pas pourquoi.
Ou alors je m'étais habitué sur PS2 à un input lag énorme aussi. Parce que quand je joue... Ah, quoique. Pas si énorme que ça, l'input lag. Alors c'était surtout sur un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme, c'est une catastrophe, mais Conflict Desert Storm, ça passe encore. Mais bon, je préfère quand même y jouer sur la télé, il n'y a quasiment pas d'input lag. Si ce n'est dire même pas du tout. Hop! Donc je n'ai pas d'excuses si je fail. Par contre, évidemment, sur un 55 pouces, c'est compliqué. Hein. C'est un peu aliasé. Mais ça reste quand même bien plus clair et net que sur PS2, purée. Ne branchez jamais une PS2, les enfants, sur une télé 55 pouces. Sinon, vous devrez porter des lunettes à l'avenir. C'est triste. Il y en a qui ont perdu la vue. Mais la GameCube, ça passe un peu mieux. À croire qu'on est à une résolution bien au-dessus. Ça passe. C'est pas fou, mais ça passe. Alors finalement, c'est comme si on branchait une Wii. Hein. Pour être clair. Alors, je sais pas où est passé le char. Parce que normalement, il y a un char en dessous, donc c'est pour ça que je prends le bazooka. Il peut y avoir des ennemis au loin. Je suis à côté des bidons explosifs. C'est un peu bof. On veut pas se pointer à côté des bidons d'essence. Ah, y'a des ennemis derrière. Ah oui, d'accord. Ah, il me touche une fois quand même, je perds tout ça. Ah ouais. Ah, ils sont où? Où sont ces petits fourbes? Ah, il est là-bas. Bon, là, attention. Normalement, il est où le char? Where is the char d'assaut? Ah, il est là. Attention. Il bouge un petit peu. Nickel. Hop. Et là, au moins, il explose du premier coup. C'est plus clair. Donc la flèche jaune, c'est l'objectif. Je ne sais pas pourquoi ils nous disent d'aller derrière. Ah mais non, c'est pour poser le C4. Mais bon, on n'a pas encore... on n'est pas encore équipé. Fichtre. Vain Dieu, ça canarde. Attendez, je vais prendre la mitrailleuse. Oh là là. Ça explose de partout. Ah fichtre. Attendez. Ah non. Ah non. Non. Ah d'accord. Ah non, laissons tomber le mode normal hein. Il meurt en 3 coups. Bon, laissons tomber. Ouais, quitter. C'est triste. Laissons tomber le mode normal. Au moins 15 minutes, il s'est rien passé. Bon, au moins, on a pu voir ce qu'était le mode normal à peu près. Alors, c'est possible de finir en mode normal, sauf qu'il faut faire gaffe partout. Et je n'ai pas vraiment le temps. Bah, faut apprendre. Puis à l'époque, ça me faisait pas grand chose de recommencer plein de fois. Alors que maintenant, on a moins la patience. Hein. Campagne du désert. Bon, bah facile. Hein. C'est triste. On reprend les Américains. C'est triste. Bon, ça ne change pas grand chose hein, si on prend les Américains ou les Anglais. Le seul changement, c'est
C'est la skin des personnages que l'on contrôle. Voilà. Ah, ils ont un peu une tête différente. Et c'est surtout l'uniforme qui est différent. Mais c'est tout. Allez, start. Merci. Bon, on va passer la cinématique. Tac. C'est parti. Et là, on ne fait pas n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a une carte? Je ne sais plus. Si j'appuie sur Z, non. Tac. Objectif. Ah oui, c'est ça. On a la carte en faisant ça. Ok. Il y a un menu, puis après la carte. Très bien. Voilà, il y a l'avion qui passe. Il canarde. Ça, c'était plutôt pas mal. Un petit script. Pour Pivotal Games, c'était quand même du haut level. Bon, évidemment, pour Activision, ce n'était pas grand-chose hein, de faire ça. Oula. Il y a un espèce de bug. Ah, lui, il est par là. Je ne sais pas qui a fait les bruitages, mais bon, ils sont assez mémorables. Hein. Les bruitages sont assez... comment dire... nanardesques. La voie est libre. On avait un tir secondaire aussi avec la mitrailleuse. Alors attendez. Comment on fait le tir secondaire déjà? Bon, on va d'abord se faire le mirador là. Ah, si j'y arrive. Ah, c'est compliqué de viser. Voilà. Il est mort! Ah, c'était le turfu en plus, il y avait une petite physique là. Ah, ouais, il a du mal à viser là. Il a plus de mal que. Qu'en normal, enfin qu'en moyen. Bon, moyen, vous avez vu, hein, c'est violent quand même. Bon, on se prend deux pruneaux, on est quasiment mort. Bon, difficile, c'est impossible, quoi. Alors, attention. Bon, faut avancer. Hop. Bon, ce qui est pas mal, c'est que, voilà... Alors quand on vise comme ça, quand on vise hop comme ça en mode FPS, on n'a pas l'aide à la visée, on n'a pas l'assistance à la visée, mais par contre, dès qu'on est sur la cible, c'est rouge, enfin le curseur est rouge. Donc on peut savoir quand même assez aisément si on est bien, si on peut bien le toucher l'adversaire. Ça c'est plutôt cool. Là, je sais pas s'il y en a qui vont venir. Alors attention parce que le char il est là. Oula, il nous vise. Le char nous vise. Faut pas trop se le faire. Faut être de l'autre côté. Attention. Parfait. Bon, attention parce qu'on voit les Irakiens en fait, ils ne popent pas d'un coup, en fait ils passent par là, tac. Il y a une logique dans le truc.
Il passe par là, il monte la montagne, là, et hop, et il contourne de l'autre côté. Il y avait quand même une bonne petite distance d'affichage, hein, quoique. Ouais, bon, une distance d'affichage pas trop mal. Même si on voit le brouillard de guerre au loin. Alors, je me suis trompé. Vaut mieux que j'aille. Ouh, aïe, aïe. Oh, je sais pas. On va d'abord se faire cela. Ah, il y a l'autre à côté, là. Bah oui, bien sûr. Oh là là, fichtre. Ok. Ah, ok. Oh, nickel. Ah, ils sont nombreux, quand même, là. Allô. Tac, tac, tac. Tac. Trousse de soins. Allez, allez. Ils sont nombreux. Hein. Hop, hop, hop. Munition AK-47, donc normalement j'ai un AK-47 en plus, ouais voilà. Ah, par contre on ne peut pas voir, ouais, ça, on voit que c'est l'un des premiers jeux de Pivotal Games, parce qu'on ne peut pas voir qu'on a un lance-roquette, enfin ce n'est pas visuel. On a un lance-roquette sur nous. Alors, dans le conflit Vietnam, c'est visuel. Attention, ah non, ok, ça ah, je crois, dans mes souvenirs, ah là, faut tirer sur, ah, c'est pas très logique, faut tirer sur le toit du véhicule, et comme ça il explose, alors que normalement il vaut mieux tirer sur le réservoir. Bon. Y a un truc par terre, là, ou... Ah ok, ça y est, juste un caillou. Ils ont quand même modélisé des trucs sur le sol, sur la texture de sable. Ah, et par contre, la gueule des arbres, c'est un peu chaud. Pourtant, 2003, hein, c'est pas vraiment le début de l'ère 128 bits. Mais bon, pour Pivotal Games, c'est le début. Se les faire direct. Hein. Hop, oh, mais il n'y en a qu'un seul. Ah, d'accord. Ah, il y a un ennemi. Attention. What? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il s'est relevé ou quoi? Ah, par contre là c'est pas très logique. Il a popé comme ça dans de ses ouf. Je vais tirer là-dessus. Allez, cœur. Ça explose pas tout. Ah si, c'est bon. Par contre, où trouver les clés? Bon, c'est peut-être l'un des geôliers, là. Sûrement. Des gardes. Voilà. De la torture. Bon, je ne vois pas, là. Est-ce que ça dit déverrouiller? Ah oui, ok. Bon, j'ai récupéré les clés quelque part, je ne sais où. Allez, on peut voir qu'il boite parce qu'il était quasiment mort. Bah voilà. Parfait. Il s'est soigné tout seul. Alors ça c'est pour donner les ordres. Ah là c'est Z et X. Allez, il faut que je reprenne des habitudes parce que
les habitudes de l'époque. Parce qu'à l'époque, j'y jouais sur GameCube. Mais bon, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait le Let's Play Conflit Vietnam sur PS2. Donc les boutons, ça n'a rien à voir. Et pour l'instant, je trouve que ça se joue bien mieux que Conflit Vietnam. Bon, j'avais aussi trop embelli le jeu à l'époque. Parce qu'à l'époque, je le trouvais plutôt joli, le jeu, hein. Enfin. Je n'avais pas énormément de comparaisons à côté en termes de jeu réaliste. C'est ça, et à côté de ça, j'avais du Mario ou du Sonic sur la GameCube. Donc bon. Et bon, quand j'ai eu Resident Evil Rebirth, là... Ah oui, d'accord. C'est autre chose. C'est autre chose. Ou même le James Bond, là. Bon baiser de Russie. Ah oui, c'est vrai, il chantait comme ça. Ah, attendez. On peut se le faire au couteau. Au couteau, nos cœurs. D'accord. Ah, faut vraiment être prêt. C'est fou. Aïe. Bah, attendez, c'est plutôt lui qui va choper ça. Tac, 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 tac. Hop. Ouais, comme ça, voilà, il a quand même un fusil d'assaut, au moins. Aïe. À chaque fois, je me crois sur PS2 et je fais L. Mais non. L, c'est pour viser, là. Enfin, on a qu'un L. Y'a pas L1 et L2. Bordel de fichtre. Détruire le pont, appuyer sur la touche objectif pour... Ah mais non, mais attendez, j'ai tout ce qu'il faut pour détruire le pont, faut revenir. Qu'est-ce que je fais à descendre, moi? Non, c'était quand même... Je me rends compte quand même que c'était beaucoup moins linéaire que Conflit Vietnam. Ce Conflit Vietnam, on voit quand même tout droit un peu, hein. Même dans les dernières missions, c'était quand même un peu moins complet que cette mission-là. Là, il faut quand même revenir sur nos pas. Mais il y a plusieurs embranchements possibles. On pouvait se battre contre le char de front, en dessous. Mais bon, faut forcément quand même passer par le pont pour le détruire. Très bien. Je pense qu'il faut le mettre par là à peu près. Hop, et là, hop, on chope ça. Dans Conflit Vietnam, ça marchait une fois sur 30, ce truc-là. Et là, on va voir. Ça marche du premier coup. Ah ouais, non, c'était quand même mieux fait. C'est fou quand même de rétrograder comme ça. Là, mon Conflit Vietnam est quand même sorti en 2006, hein, il me semble. 3 ans après celui-là. Ils auraient pu améliorer un peu le gameplay, quand même. Avoir un peu plus d'expérience, de sagesse dans le gameplay. Mais non. Rien de tout cela. Par contre, attendez, objectif. Parce que moi là, c'est bien, c'est bien beau, je descends, mais... Ouais, non, je pense qu'on peut y aller que comme ça. Va falloir descendre et passer en dessous du pont.
Hop. C'est la petite promenade de santé. Objectif, on doit être quand même... Voilà. On est au bon endroit. Pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Les carcasses du chat. Enfin, la carcasse, plutôt. Il nous suit, ah oui. Attention à l'avion! Il pourrait nous canarder, ah, quoique. Je ne sais pas qui canarder, mais bon, vaut mieux y aller le plus vite possible. Il ne faut pas se poser de questions. Il y avait un deuxième char. Bon, qui a déjà été détruit. Sans doute par un avion, je ne sais pas. Je ne sais point. Mais je me souviens que oui, là, on est vraiment à la fin, il n'y a plus grand chose. Hein. Et dans mes souvenirs, ça ne sert pas à grand chose de... Infanterie repérée. Attention, il y a des ennemis. Ah oui, il y a un point rouge. On le voit sur la map. Enfin, sur le radar. Ah ok, là-haut. Il est là-haut. Go, go, go! Ça, faut se diriger avec le stick C. Et si on fait ça, voilà, il fait que straffer. Bon, c'est pas une maniabilité mauvaise. Bon, le problème, c'est plus la visée après. Mais le jeu est fluide, hein. Ça change. Ah, il vient, notre pote. Ça change de conflit Vietnam. Ah, l'hélicoptère. C'est peut-être un ennemi. Nom de Zeus. Mission réussie. L'expérience augmente. Avec le lance-roquette. Remise d'une médaille. Spécialisation. Ouais. Ah oui, il le passe comme ça, le Paul. Rien à battre. Alors, niveau suivant, ouais. Ah, il y avait déjà de l'expérience. Dans mes souvenirs, ça servait à rien. Si ça sert autant que dans le conflit Vietnam. Ah, ils ont voulu mettre un petit côté RPG, hein. C'était déjà la mode à l'époque, peut-être. C'était la mode à l'époque. Fantassin, pistolet, génie de combat. C'est un noob du combat. Bon, il n'est qu'une étoile. Bon. Sauvegarder la partie. Et j'ai calculé. Il me reste pile poil. Enfin, il me reste 9 blocs. Sachant que le jeu prend 8 blocs, ça passe. Voilà. C'est nickel. Par contre, je ne pourrais pas faire une sauvegarde de secours. Ouais, ou alors faudrait que je supprime un truc sur la carte mémoire. Ah, le problème des cartes mémoire. Passage sécurisé. Kuwait City. Kuwait. Enfin, le dire comme ça, c'est un peu bizarre. Fiche. Chef Alpha 2, ici Alpha 2-1, terminé. Bien reçu, Alpha 2. Quel est votre statut? Terminé. Les Irakiens ont lancé des attaques d'exploration au cours de la dernière heure. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir cette position. Terminé. Compris, Alpha 2-1. Nous devrions...
Reçu, chef Alpha 2. Retour à l'emplacement bleu. Terminé. Dans mes souvenirs, cette mission était plus simple. Surtout, il me semble qu'on va être trois. Limousine. Ah, ok. Ça a été vite irradié. Allez-y, je vais les retenir. Ah, normal, ils sont toujours en vie. Hein. Pépère. Message prioritaire. La balise d'urgence de l'émir vient d'être activée sur une place de marché, à 200 mètres à l'ouest. Il est en grave danger. Vous devez immédiatement le rejoindre. QG terminé. Let's go. L'armée irakienne a envahi Kuwait City. Votre équipe doit localiser l'émir du Koweït et le sortir de la ville sans encombre. Connor, votre spécialiste de l'armement lourd, a été envoyé en avant pour dégager la voie dans la ville. Retrouvez-le et dirigez-vous vers la zone d'évacuation. Très bien. L'émir et son entourage ont été pris en embuscade par des éléments avancés des forces d'invasion irakiennes. Rendez-vous sur les lieux et libérez l'émir avant sa capture ou son exécution. Les forces irakiennes ont déployé des BMP et des chars de combat T-62 de fabrication russe à Kuwait City. Détruisez ceux que vous rencontrez. Le caporal Connors, votre spécialiste de l'armement lourd, vous attend à l'emplacement bleu. Rejoignez-le dès que possible. Allez avec l'émir et votre équipe jusqu'à la zone d'extraction, où un hélicoptère de la RAF vous conduira en sécurité. Ok. Infanterie repérée. On est en plaine. Infiltration. Il y a quelqu'un qui court vers nous, là. C'est qui, ça? Ne tirez pas! Aidez-moi! T'es civil! Ne me tuez pas! Il y a un point rouge là-bas. Il faut faire attention. En mode infiltration ASMR. Let's play ASMR. Le retour. Comme dans la jungle. Bon allez, je m'en fiche. Hop. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Affiche. Attendez, viens vers moi. Allons-y. Allons-y. Pom 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 pom. Que des musiques incroyables. Merde. N'empêche, c'est quand même les mêmes musiques. Il me semble que c'est exactement les mêmes musiques que dans. Ah bah tiens, Emir. Et où Emir? Ah, il est là. Il y a des Irakiens partout. Alors on peut pas le diriger, Emir. Il bouge tout seul. Et bien, faut retrouver le soldat Ryan là. Ce bruit ne me dit rien qui vaille. Ah, je pense que c'est un lance roquette là-bas. Dans mes souvenirs. Eh oui, purée. Bon, ça va être un peu cheaté. Parce que c'est vrai que je me souviens de quelques petits trucs. Vu que je l'avais fait à l'époque. Quand le char, je ne me souviens plus du tout où il est. Aïe, aïe, aïe. Civil abattu. Quoi? Mais non, il m'a tiré dessus. C'était pas un civil. Ah, il y en avait peut-être un à côté. Qu'est-ce qu'il foutait à côté? Il était pris en otage. J'ai l'impression d'entendre un char là. Oh, vingt dieu, je crois que c'est un char là-bas. Attention. Il est où? Ah, il est là. Bon, ça va, c'est pas un char blindé.
On va pouvoir se le faire du premier coup. Oh là là, purée, il a tiré. C'est bon. Recharge, vain dieu. Oh là, c'était quoi ce bug? Ah lui, il tire par la fenêtre. Ah, il ne veut pas mourir. Ah, c'est bon. Voilà, bon, ça va, on les entend quand même d'assez loin, les chats. Tandis que le son est plus réussi que dans le conflit Vietnam. On les entendait pas du tout, les chars, dans le conflit Vietnam. Quasiment pas. C'est pas logique du tout. Un gros machin, un chenille, comme ça... Oh, les gars. Là, on l'a clairement bien entendu. Le son est mieux rendu sur Desert Storm, c'est ouf. 2003. Et ne me dites pas parce qu'on est sur GameCube. Sur GameCube, certes, c'est un peu plus fin les graphismes. Par contre, à côté de ça, ce sont des mini CD, hein, c'est même pas des DVD. Donc, au niveau du son, théoriquement, c'est sur PS2 qu'on a une meilleure bande son. Alors qu'on peut se permettre de mettre de l'orchestral partout. Parce qu'un DVD, on peut mettre 7 Go quand même. 7 Go de données. Alors que. Ah, d'accord. Il y a un chat. Alors que. La GameCube, c'est que 1,3 Go. Les CD. Ah, j'essaye de le choper. Mais je vois rien. Ah, je me suis planté. On est très mal parti. Venez les gars, venez les gars. Oh là 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 là. Attends, le char, je ne sais pas comment faire là. Peut-être que Connor il a. Ah bah si, il a un lance-roquette. Attendez. Ah purée. Je l'ai eu ou quoi? Ah. Toujours pas eu. Mais il meurt pas ou quoi le gars? Ah, fichtre. Ah bah oui, mais si ils viennent tout le temps. Non, on peut pas se faire le char. Allez. Ah non, cette arme est pas du tout précise. Ah non. Voilà. Ça, c'est bon. Bon, je sauvegarde un petit coup, hein. Je pense que blindé, tac, évacuation. Ouais, on n'est pas trop loin, on est plutôt bien parti. On sauvegarde au cas où. Même si normalement ce niveau n'est pas vraiment difficile. Mais bon, on reste en facile. Ah là là. Le mode noobar. Ah, on peut re-sauvegarder après. On peut faire 2 sauvegardes. C'était qu'une sauvegarde sur Conflict Vietnam. Alors je sais plus. Ou 2, je ne sais plus. Il me semble que c'était qu'une sauvegarde. Tac. Donc, attention, il y a un autre char. Alors où est-il? Je l'entends à gauche. Ah non, il doit être au-dessus. Il est au-dessus. Oh, attention, Connor! On va vous soigner. Ah, venez, les enfants. Par contre, Emir, va falloir le soigner.
Ah là là. Ah c'est bon, il l'a battu. Attention à celui-là. Voilà. Ah mais non, mais lui il a vraiment, mais son arme elle est vraiment pas précise. Alors attendez, Emir. Est-ce qu'on peut soigner Emir? Soigner, a juste marqué. Alors, on sait pas qui on va soigner. Voilà. Oh voilà, c'est Emir, on peut le soigner, nickel. Hop. Alors le char il est là-haut, faire attention. Est-ce que c'est un blindé? Je ne pense pas. Ah, il nous a entendu. Parce que bon là il avance. Mais où est-il exactement? Je crois qu'il est un peu plus par là. Ah mais il est là. Ah c'est un blindé lui. Alors attention. Voilà. Les blindés, il faut les avoir par derrière. Sinon, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, lui, faut qu'il se soigne. Qu'est-ce qu'il fout à moitié mort? Bon, je vais plutôt prendre lui. Il se débrouille beaucoup mieux. Enfin, son arme est bien meilleure. Bon, est-ce qu'on a gardé les anciennes armes? Ah non! On ne garde pas ce qu'on a chopé lors de la première mission. Donc j'avais raison. C'est vrai que ça me paraissait bizarre dans le conflit de Vietnam, mais ouais. Dans Desert Storm, oui. Mes souvenirs n'étaient pas erronés. À chaque fois, à chaque nouvelle mission, ça réinitialisait. L'hélicoptère, je pense que bon, il est avec nous. Ça réinitialisait l'équipement. Bon, attention au camion. Putain, je vais faire exploser pour le fun. Yeah, yeah. Ça va pas exploser. Bon. Au pire, tant pis. Hein. On peut pas faire exploser le camion citerne. C'est pas réaliste. Voilà, on est vraiment à la fin de la mission, hein, dans mes souvenirs. Et voilà. Et le point d'extraction. Ah. Eh ben, on y va ou pas là? Ah, c'est bon. Mission complete. L'expérience augmente. Comme dirait Fox McCloud. Ok. Bon, bah on va s'arrêter là pour la première partie. Il me semble que dans mes souvenirs que c'était 15 missions. Un truc comme ça. Bon, à peu près le même nombre de missions que Conflit Vietnam, c'était 14 missions, donc voilà. Sauvegarder. On a déjà fait 2 missions en une partie. Bon, ça va être à peu près 12 ou 13 parties comme Conflit Vietnam. Sauvegarde terminée. En tout cas, pour l'instant, on est bien au-dessus de Conflit Vietnam au niveau de la réalisation quand même. C'est quand même un petit peu mieux. Et là, il y a quand même un minimum. On a un intérêt minimum quand même à faire le jeu. C'est vrai que Conflit Vietnam, c'est compliqué quand même. Bon, peut-être pour l'humour. Voilà. Là, par contre, ce jeu-là est très soft. Hein. C'est très clean. Ça change de Conflit Vietnam. Ce qui est un peu dommage. J'aimais bien le langage cru de Conflit de Vietnam.
ici Canary 1. Bonne chance les gars. Retour pour l'extraction en fin de mission. Terminé. Bien reçu, Canary 1. Alpha 2 terminé. Ah oui, c'est très brut, hein. Pouf, c'est direct. Il n'y a pas énormément de dialogue. Avant le démarrage de la campagne aérienne, plusieurs installations radars d'alerte lointaines situées sur la frontière entre l'Irak et l'Arabie Saoudite doivent absolument être détruites. Ces attaques seront suivies par l'intervention d'un chasseur bombardier F-15 sur le centre de commandement local de la défense aérienne à Annagaf. Ok, je n'en ai aucune idée de ce que c'est. Cette offensive combinée réduira considérablement les capacités de l'Irak d'organiser des missions d'interception à l'encontre des appareils alliés et assurera ainsi la supériorité aérienne de la coalition dans le ciel irakien. L'une des principales installations radar d'alerte lointaine se trouve à l'intérieur de la base aérienne locale irakienne. Attendez, j'ai pas dit la même chose? Ah non. Oh là là, mais c'est long! Mais c'est long, vain Dieu! L'aide d'une charge C4, cela devrait couper l'alimentation du radar d'alerte lointaine. Voilà, tout ça se résume à poser une C4 et voilà, c'est bon. Ou un C4 plutôt. Parce qu'une C4, bon. C'est la voiture. Je pense pas que ça fera grand chose. Quoique, le joint de culasse qui peut vite dérailler. les disques de frein qui sont. Capoute. Les pistons du moteur, pouf, ça, ils vont finir par lâcher. Ah, une C4, hein, ça porte bien son nom finalement, ça peut exploser, hein, comme un C4, finalement. C'est pas du tout fiable. On va passer. Ah là, cette musique là aussi, je m'en souviens. Purée. Mais c'est incroyable, mais. Vous voyez, les musiques qu'on a dans Conflit Vietnam, bah c'est des... Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est que des musiques de groupes connus, les 60s ou les Rolling Stones. Donc bon. Qu'on entend à peine, d'ailleurs, c'est quand même vachement bas par rapport au bruitage, etc. Alors que là, un vieux son MIDI, que l'on reconnaît entre mille, qu'on a chantonné en étant petit en jouant à ce jeu à l'époque. Ah là là. Ça rappelle des souvenirs. Bon, sur ce, on va s'arrêter là, parce que 55 minutes tout de même. Enfin, quasiment une heure. Je ne pense pas que je vais faire une intro pour ce let's play non plus. J'ai la flemme de faire des intros, je vous avoue que je n'ai pas vraiment le temps en ce moment. Ça demande énormément de temps de montage, etc. Et vu que je travaille sur autre chose en même temps, saga MP3, tout ça. Bon. J'ai un peu la flemme de faire une belle intro comme on le faisait à l'époque. Alors, en tout cas, voilà. Pour cette première partie, on s'est plutôt bien débrouillé. Bon, même si je me suis complètement viandé en moyen. Mais bon. Ça, c'était prévisible. Et bon, au moins, j'ai pu vous montrer ce que ça donnait le mode moyen. C'est assez violent. Alors, à moins que, voilà, de mon côté, je peux faire en moyen, mais bon, ça me demandera plus de montage après pour pouvoir couper les moments, les séquences où j'ai perdu, dans lesquelles j'ai perdu. Ça me demandera deux fois plus de temps, et bon, c'est vrai que... Je vous avoue que c'est compliqué en ce moment, donc... Voilà. Tant pis pour le mode moyen. Enfin, j'ai voulu faire mon petit fourbe et essayer quand même de tatillonner un petit peu, mais non. Le jeu ne veut pas. Non, il est trop exigeant. Donc voilà, bon. Hélas, voilà, on va quand même continuer en facile, comme sur Conflit Vietnam. Mais je pense que ça va mieux se passer que Conflit Vietnam, parce que dans mes souvenirs... Attention. Bon, même si, quand on est petit, on embellit souvent les choses. Hein.
On peut aimer des jeux de merde. Mais bon, dans mes souvenirs, ce jeu-là était quand même bien meilleur que Conflict Vietnam. Pour l'instant, les deux missions qu'on a faites, eh bien, ça ne contredit pas mes dires. Et bon, on verra bien par la suite. En tout cas, cette mission-là, je m'en souviens assez bien aussi, celle-là. J'avais refait souvent, à l'époque, le début, parce que j'avais des problèmes de carte mémoire. J'espère que ça va pas arriver, d'ailleurs, là. Et c'est vrai que sur ce jeu-là, j'avais souvent des problèmes de carte mémoire, et bon, j'avais une carte mémoire qui n'était pas officielle, mais qui marchait avec tous les autres jeux, sauf celui-là. Des fois, ça voulait formater sur ce jeu-là. Et bon, ce n'était pas une carte mémoire officielle. Là, c'est une officielle, Nintendo. Pour l'instant, ça sauvegarde, c'est bon. On verra bien par la suite. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et pour la suite de Conflict Desert Storm.